La tension entre Iran et Grande-Bretagne est montée d'un cran mercredi. Après des expulsions de diplomates réciproques, Téhéran affirme vouloir diminuer le niveau de ses relations avec la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni n'est pas le seul à critiquer la répression des manifestations ou la légitimité du scrutin du 12 juin. Mardi, Barack Obama évoque de sérieuses questions sur l'élection présidentielle. Réponse de l'Iran mercredi, son ministre de l'Intérieur accuse la CIA de financer en partie les émeutiers. La situation n'arrange pas les Nations Unies qui veulent rester prudentes. Le secrétaire général Ban Ki-moon se déclare toutefois consterné par les violences en Iran. Les Nations Unies n'interfèrent pas dans les affaires internes de ses États membres et nous n'avons pas l'intention de le faire dans ce cas précis. Nous n'avons émis aucun avis sur cette élection. Nous voulons juste être sûrs que toutes les parties, y compris les civils, soient à l'abri des violences. Seule entité à pouvoir aller au-delà de la simple indignation et prendre de véritables sanctions contre l'Iran, le Conseil de sécurité de l'ONU. Un scénario difficilement envisageable, les partenaires économiques de l'Iran, membres du Conseil, s'y opposeront. Dans le contexte actuel, il est peu probable que ni la Chine ni la Russie acceptent de nouvelles sanctions ou une condamnation de ce qui s'est passé en Iran pour des raisons simples, c'est qu'ils ne veulent pas que ce genre d'événement soit exploité, puisse être un jour exploité contre eux-mêmes. Alors que la guerre des mots continue entre les capitales, le guide suprême Ali Khamenei a envoyé un avertissement très clair aux opposants iraniens mercredi. Le régime ne reculera pas. Lors des récents incidents concernant l'élection, j'ai insisté sur la nécessité d'appliquer la loi et je continuerai d'insister. C'est notre loi, la loi de notre pays, de la République islamique, et nous la respecterons. Ni le système, ni le peuple ne céderont à la force. La menace est à peine voilée et la portée du message est peut-être autant nationale qu'internationale.